Elle est déterminée à voir le changement dans sa nation. Béatrice Biata Kabungu, présidente du mouvement Écho des mamans congolaises, continue sa tournée à l'intérieur du pays. Elle a atterri à son fief, Mbujimayi, dans le Kasaï oriental avec une délégation de femmes membres de sa plateforme. Toutes engagées à participer dans l'amélioration de conditions de vie du citoyen congolais. Un accueil chaleureux leur avait été réservé par le membre de l'EMC Mbujimayi. Danse, cris, chants ont à cet effet caractérisé son arrivée. Béatrice Biata, émue de joie, n'a pas avalé sa langue. Je ne pensais pas que dès notre descente à l'aéroport, qu'on pouvait avoir un si bel accueil avec les autorités. Et c'est vraiment touchant. On est venu avec des kits médicales pour distribuer. On a choisi un seul hôpital ici à Mbujimayi. Aussitôt arrivée, la présidente de l'EMC, accompagnée de sa délégation, a été voir le vice-gouverneur de la ville pour une visite de courtoisie. S'en est suivie son adresse aux habitants de Mbujimayi, venus nombreux afin d'écouter ces grands défis pour lesquels milite Béatrice Biata. Stop, y a qui pauvreté. Stop, y a Nzala. La maman est à Kasaï. Maman, vous m'avez Kasaï. Nous avons la macasse à Rotelema. Vous avez dit que vous avez pris mon coup. Kasaï est un maman mingi. Kasaï est un maman mingi. Kasaï est un bastou à macasse. Vous avez dit que vous la maman va dans la formée. Maman, vous avez dit que la maman est chez moi. Va dans la formée. Ce qui est l'autre, n'a pas 500, 500, 500. L'élo est même au fil à 500, 500, 500. Lobby, la cause à la tête. Malaba, tu as vu qu'elle a pas au couteau. Écoute des mamans, il y a un programme, il y a formation. Écoute des mamans, il y a un programme, il y a formation. Pour être lobby, on sera capable de voler sa banane. Pour enchaîner la pensée de la présidente, Maggie Mulumba, vice-présidente de l'EMC, s'est adressée directement aux habitants à la langue du terroir. Béatrice Biata a tenu à la réalisation de sa mission à Mbujimayi. Accompagnée des mamans membres de l'EMC Kasaï, elle a visité la zone de santé de Dibindi où elle a fait un don en médicaments et matériels médicaux. Aussi, d'autres patients bloqués dans cette zone de santé ont vu leurs factures être payées. Touchés par cet acte de générosité, quelques médecins et infirmiers ont encouragé l'initiative. Je ne sais pas comment expliquer la joie. Mon cœur inonde dans une joie immense. Pourquoi j'ai dit une joie immense? Je suis à l'hôpital presbytérien, ça fait cela 5 ans que je suis médecin directeur de l'hôpital. Mais mes yeux n'ont jamais fixé quelqu'un de bonne volonté pour venir visiter le malade de Mini. Mais c'est une grande joie pour moi ce jour de voir une délégation, pas une délégation locale, mais au niveau international qui a quitté la Belgique et d'autres provinces même de notre pays pour venir voir les malades de Mini dans cet hôpital. Pas seulement les voir, mais accompagner d'un don pour soigner les malades qui sont démunis. Pas seulement soigner, pas seulement les dons, mais vous avez vu vous-même
Il y a même une malade qui a été abandonnée par son mari. Son mari l'a négligée. Elle l'a taxée. Son mari l'a taxée comme une sorcière. Abandonnée depuis un mois à l'hôpital. Mais ce jour, la dame s'est vue en dehors de l'hôpital grâce à l'écho de maman. Béatrice Biata Kabongo est prise au changement, ne se déroge en aucune manière de son leitmotiv. Au travers de ses initiatives, elle vient en appui à cette grande vision du chef de l'État. Betty Bila, Média Plus, Kinshasa.